bien les Yankees? Parce que tout est racine. Même racine, c'est bon à manger. Oh, Matt, j'ai quelque chose à te dire. À propos de... On devrait faire ça en privé. Les hommes ont fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Matt, tu dois admettre que ce qui s'est passé à l'hôpital était... T'étais en train de tirer sur un mur, tu n'étais pas vraiment sûr. Si. Bah alors vous êtes fous? Vous cinglez? C'est ça? Non, je vais bien. C'est arrivé une fois, mais... Matt, je t'ai trouvé en train de tituber dans un hôpital. Je cherchais Franky! Tu sais, Matt, peut-être que si tu tenais tes hommes, au lieu de toujours essayer d'être leur meilleur pote, peut-être que tu n'aurais pas besoin de les chercher. Essayez de respirer. Raid, respirez, allez, respirez. Corion. Il n'est pas mort, d'accord? Ferme-la! Respirez, bordel, Raid, respirez! Sam, on peut rien faire de plus! On doit y aller! Non! Allez! Allez! Allez, vieux! Merde, allez, Raid! On va monter dans les jeeps et rejoindre une antenne médicale. Vu comme on est sonné, on risque juste de se blesser davantage. Les frayeurs à la pierre de la manche, là. Désolé. Comment vous vous sentez pour l'instant? Ça peut aller. J'ai demandé encore et encore. Moi, moi, pas eux. Mais il n'y a personne de mon côté. Franky n'était qu'un gamin. Je vous ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Et Red? Je sais même pas si ça se fait. Seigneur. Non. Pas lui. Encore une demande. Impossible à satisfaire. Surtout. Surtout pas Red. C'est vous, Baker? Oui, mon colonel. J'aimerais vous parler une minute, mon vieux. L'antenne médicale a clairement dit que le sergent Hartsock ne reviendrait pas. Les derniers jours ont été rudes. Je voulais donc vous parler personnellement. Oui, je comprends. Je suis ici de la part du capitaine Wilder. Nous ne voulions pas le faire, mais il est important que le groupe de reconnaissance continue d'avancer. Le temps est compté. D'ordinaire, je ne ferais pas ça, mais vous connaissez ces hommes mieux que personne. Oui, mon colonel, c'est vrai. Selon vous, qui pourrait commander la deuxième escouade? Le caporal Paddock, mon colonel. Vous en êtes sûr, sergent? Certain, colonel. Bien, je l'informerai de sa promotion. Vous faites du bon travail, messieurs. Alors c'est tout? Sam... Quoi? Dis-moi ce que j'ai pas fait pour toi, Matt. Cite-moi un seul ordre que j'ai pas suivi à la lettre. Il ne s'agit pas de ça. De quoi, alors? Du calme, Sam. Du calme. Du calme. On était caporaux ensemble, Matt. Je suppose que ça veut rien dire, caporal. Quoi?
Mon travail, c'est de vous garder en vie. On suit les ordres ou on meurt. Vous l'avez dit vous-même. Je vous ai entendu le dire à Franky. Il est mort dans mes bras parce que vous n'avez pas réussi à lui faire comprendre ça! Sergent! Occupez-la!